Au chalet, Hope demande à Liam comment vont Kelly et Aï après avoir appris que Finn ne rentrait pas à la maison. Liam pense que c'était plus dur pour lui et Steffi que pour les enfants. Mais il pouvait voir Kelly se transformer. Je n'arrive toujours pas à croire tout cela. Hope rappelle à Liam que Kelly a un très bon système de soutien. Liam assure à Hope qu'il ne tiendra rien pour acquis. Ils font des choses ensemble que Steffi ne pourra plus jamais refaire avec Finn. La conversation se tourne vers Sheila et Hope remarque qu'elle est toujours un être humain et qu'elle lui a donné le bénéfice du doute lorsqu'elle a dit qu'elle voulait être dans la vie de Finn. Mais elle a tiré sur son propre fils et a essayé de tuer Steffi. Alors elle ne mérite pas de revoir la lumière du jour. Liam s'émerveille de ce que Finn était un bon beau-père pour Kelly. Il a embrassé ma fille et il aimait. Je lui en serai toujours reconnaissant. J'aimerais que Kelly ait plus de temps. Il annonce qu'il va chez Steffi et ne tardera pas. Ils s'embrassent et il part. Bill arrive croisant Liam à l'extérieur et Hope lui dit que son fils est allé voir Steffi. Bill demande si elle est d'accord avec ça. Hope explique que Steffi a besoin de tout le soutien qu'elle peut obtenir maintenant à la lumière de ce qui s'est passé. Bill est stupéfait d'apprendre qu'elle s'est souvenue de qui a tiré sur Finn et elle, c'était Sheila. À la maison de la falaise, Steffi dit à sa mère qu'elle souhaite parfois que sa mémoire ne soit pas revenue en voyant son mari mourir. Elle récapitule que Sheila a tué Finn, qui devrait être là en ce moment. Taylor demande comment les enfants ont pris la nouvelle. Steffi remarque que elle ne comprend pas vraiment, il est si petit, mais il sent quelque chose. Elle veut planifier un service commémoratif, mais ils doivent d'abord parler à Lee et lui dire la vérité sur la mort de Finn. Taylor l'a contactée, elle devrait être en route maintenant. Ils discutent de l'adaptation de Lee en ferment. Elle s'est occupée de tous les détails et est partie. Steffi n'a même pas pu voir Finn une dernière fois avant d'être incinérée. Taylor est tellement désolée, cela a dû rendre tout tellement plus difficile. Y arrivée, Steffi l'informe qu'ils ont des nouvelles de la personne qui a tué son fils. Il pose des questions sur Aïe. Steffi dit qu'il va bien, mais que son père lui manque et lui assure qu'elle peut le voir quand elle le souhaite. Lila remercie. Steffi révèle que sa mémoire est revenue et qu'elle s'est souvenue qu'il lui a tiré dessus ainsi qu'à Finn. C'était Sheila, Lee s'exclame, cette femme. Comment a-t-elle pu lui tirer dessus? Pourquoi? Steffi explique qu'elle manipulait à nouveau Davy et elle est allée la confronter. Sheila a sorti une arme à feu pour lui tirer dessus et Finn s'est présenté et a sauté devant elle. Il lui a sauvé la vie. Il n'est pas surprise, son fils est un héros, un fils et un père merveilleux avec tant d'amour à donner. Steffi lui dit que Sheila est maintenant en garde à vue et paiera pour ce qu'elle a fait. Il pleure, tout allait bien. Jack et moi étions ensemble. Finn venait de t'épouser et était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Sheila est arrivée et a tout gâché. Elle ne peut pas imaginer une vie sans son fils et je ferai n'importe quoi pour le récupérer. Taylor dit à Lee qu'elle était une mère merveilleuse et personne, pas même Sheila, ne peut lui enlever cela. Steffi demande l'avis de Lee sur un service commémoratif. Lee ne veut pas en parler et lui rappelle qu'ils peuvent en avoir un à tout moment. Ce n'est pas obligé d'être maintenant. Steffi insiste mais Lee refuse de penser que Finn est parti de ce monde. Steffi veut toujours honorer sa vie. Lee réplique. Je m'occuperai de tout quand il s'agit de mon fils et s'en va. Taylor réconforte Steffi. Au chalet, Bill ne comprend pas que Sheila a tué son fils perdu depuis longtemps. Il remarque que cela doit être si dur pour Steffi et demande comment vont les enfants. Hope explique que Kelly est en train de téter et Aïe est encore jeune mais ressent l'absence de son père. Bill se plaint que Sheila agisse parce qu'elle se sentait menacée. Hope s'émerveille de l'instinct de Finn pour protéger sa femme. Bill pense qu'il est mort en héros, pas que ce soit une consolation. Hope explique que c'est pourquoi Liam est allé voir Steffi.
Bill exhorte Up à penser que Liam est prêté à Steffi pendant un certain temps. Il sait que son fils fera tout ce qu'il peut pour l'aider à traverser cette épreuve. À la maison de la falaise, Steffi pense que Lee agissait de manière très étrange et Taylor accepte et secoue la tête. Tout le monde pleure différemment. Steffi vient d'avoir une ambiance bizarre. Liam arrive. Il voulait voir si Steffi allait bien après l'avoir dit aux enfants. Taylor les laisse seuls. Liam demande à Steffi ce qu'il peut faire pour aider. Elle dit qu'il peut juste être là. Liam pense qu'elle va comprendre cela, c'est un peu son truc. Steffi se plaint que Finn mérite tellement plus. Liam suggère qu'elle se demande ce que Finn voudrait qu'elle fasse. Steffi crie pour continuer, pour avoir la meilleure vie. Elle n'est pas sûre de pouvoir faire ça. Liam s'engage à la soutenir et à se présenter jour et nuit. Steffi le remercie et pleure que Finn est parti et qu'il ne reviendra jamais. Liam la tient. Dans une pièce, Lee prend une photo encadrée de Finn et fulmine chez la Garter. Elle continue de parler et pense qu'il est peut-être mieux là où il est, mais tant qu'il y a une chance. Elle n'abandonnera jamais. En traversant la pièce, la caméra se dirige vers un lit dans lequel Finn est allongé, accroché à des machines et inconscient.